Salut tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais un look un peu Hollywood. Alors je vous fais un look celui-ci avec un petit cut crease. Et je vous fais les cheveux là, sont tombés tout à plat parce que mes cheveux sont trop longs et trop lourds. Donc je peux plus rien faire avec mes cheveux. C'est épouvantable! Mais donc je vous fais un petit look un peu plus simple sur les yeux, mais avec des lèvres intenses, avec un beau rouge. N'oubliez pas, si vous aimez le look, les pouces bleus. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner, super important. Et j'y tiens, je veux agrandir ma famille YouTube. Donc abonnez-vous si vous aimez, continuez de regarder. Merci beaucoup! Donc bonjour tout le monde, donc en premier je viens mettre une base sur mon visage, je mets la base hydratante vu que l'hiver est dur sur ma peau et je vais vraiment la mettre partout sur mon visage. Et oui là mes cheveux m'énervaient donc j'avais pas le choix de mettre une base dans mes cheveux. Ensuite, je vais y aller avec le L'Oréal Infallible Pro Matte dans la couleur 102. C'est vraiment un fond de teint super de pharmacie, là. Vous allez avoir le visage hyper mat, donc les peaux sèches, peut-être que vous aimerez pas. Mais franchement, pour les peaux grasses, c'est un fond de teint rêvé. Ensuite, je viens avec mon éponge Cool. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pas pris ma Real Technique ou ma Beauty Blender. On aurait dit que j'ai peur de les salir. Mais elles vont tellement mieux que l'éponge court, sérieusement. Et il faut pas oublier d'aller mettre du fond de teint dans son cou et sur ses oreilles. Si on s'attache les cheveux, on a les cheveux plus courts. Parce que sinon, vous allez avoir l'air de porter un masque. Ensuite, je vais y aller avec mes deux cache-cernes, celui de chez Fit Me de Maybelline et celui de chez Rimmel, le Wake Up. Wake Up? Ouais, c'est ça. Donc le Wake Up, c'est la couleur la plus pâle qu'il y a. J'ai pas de couleur dessus. Le Fit Me est dans la couleur 10 léger. Donc je vais vraiment avec le triangle encore comme d'habitude pour encore illuminer mon visage comme j'explique dans à peu près tous mes tutoriels. Et je vais sur mon menton, dans mon front et sur mon nez. Celui dans le fond de chez Rimmel est un petit peu plus léger. Fait que je vais vraiment juste sur mon os de joue pour vraiment venir faire comme un highlight de plus. Ensuite je viens tout estompe ça avec mon éponge encore humide. Ici, comme vous pouvez voir, je m'en sers comme base sur mes yeux, donc j'ai pas besoin de mettre l'Urban Decay ou une autre marque dans le fond, vraiment juste venir mettre comme base le cache-cerne, c'est parfait quand on fait son teint en premier. Ensuite, je vais utiliser la palette Shade Light de Kat Von D et je vais utiliser les deux couleurs les plus pâles pour venir setter mon cache-cerne. Et c'est important de ne pas se mettre de la poudre dans les yeux comme j'ai fait et ça m'arrive à peu près à toutes les fois que je me fais du maquillage. Ensuite, je prends la poudre Stay Matte de chez Rimmel encore dans la couleur 001 transparent pour tout venir placer le fond de teint parce que c'est toujours mieux venir mettre un bronzer sur la poudre que sur un fond de teint, un peu comme les yeux. Ensuite, je viens setter ma base, mon cache-cerne sur mes yeux avec la couleur YOS de la Naked Basic.
Ici, je vais venir prendre la couleur Foxy pour venir mettre un peu plus haut que mon creux de l'œil comme couleur de transition. Ensuite, je vais mélanger YOS et Naked 2 pour venir mettre un petit peu plus haut encore comme mon creux de l'œil pour venir vraiment faire un super estompé. Et je vais venir reprendre un pinceau un peu plus fluffy pour venir vraiment blender, estomper les deux couleurs. Et ensuite, je vais prendre un pinceau plus défini pour venir mettre encore plus de couleurs de Naked 2 dans mon creux de l'œil. Pour vraiment venir donner de la définition. Et je vais revenir estomper. C'est toujours ça qui est important quand on se fait un maquillage. Estomper, estomper et estomper. Ensuite, avec un crayon en biseau comme ça, je vais venir prendre la couleur Faint. Et là, je vais vraiment commencer mon cut crease. Donc, je vais me tracer une ligne dans mon creux de l'œil. Et je vais venir comme... C'est un peu dur à expliquer, mais vous le voyez en fait là. Je vais venir lever un peu la couleur pour vraiment faire un... Pas seulement une ligne, pour vraiment venir comme un dégradé un peu de brun. Et là, c'est vraiment... Vous pourriez le faire avec du noir. Moi, je le fais ici avec un brun plus foncé. Et vous y allez à l'intensité que vous voulez. Vous arrêtez quand vous voulez ou vous continuez après que moi j'ai terminé. Ce qui est important, c'est d'être plus foncé vers l'extérieur et s'en aller de plus en plus pâle vers l'intérieur. Ensuite, pour ma paupière mobile, je vais ajouter la couleur Vénus. Et je vais vraiment l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Je vais aussi la mettre sous mon sourcil pour venir vraiment faire un petit point illuminant et pour lifter un peu mon sourcil. Ensuite, je vais réappliquer du brun parce que je trouvais qu'il s'était un peu trop mélangé avec la couleur Vénus. Ici, j'hésitais entre un crayon ou un gel. Dure question. Et finalement, j'ai opté pour le gel. Donc, j'utilise vraiment un pinceau en biseau pour venir appliquer un gel... Comme là, c'est celui de chez Maybelline et à mon avis, c'est le meilleur gel sur le marché présentement. Il est vraiment à petit prix. Donc, j'y vais vraiment avec un cat eyes, un classique années 50. Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas appliqué du gel, donc j'avais un peu de misère, mais c'est vraiment ma technique préférée. Je le préfère au crayon et au marqueur. Ensuite, j'utilise un courbe-cil, un recourbe-cil, oui. Et ici, c'est mes deux mascaras que je vais utiliser, le Tarte et le Perversion d'Urban Decay, qui est vraiment mon favori, que je vais courir pour aller en racheter un format normal, finalement. Ici, je vais utiliser un crayon blanc pour dans ma muqueuse, pour vraiment ouvrir l'œil. Vous auriez pu aussi y aller avec un crayon couleur chair un peu, un nude.
Ensuite, j'y vais avec les fossiles. J'y étais allée avec les Ardell demi-wispy. Et pour le dessous de l'œil, je suis allée avec la Naked 2, mais vraiment mal cadrée. Donc, comme vous avez pu voir. Ici, je vais venir bronzer avec le bronzer Oula de chez Benefit, qui est vraiment une couleur parfaite pour venir appliquer du bronzer, pour venir vraiment faire sinon du contour. Ensuite, je suis allée avec la couleur Coralista. Et ici, mon illuminateur, c'est Opal de chez Becca. Et j'en applique sur mon nez, sur le haut de ma lèvre et sur l'os de ma joue. Ici, je vais vraiment venir blender les trois pour que ça ait l'air plus naturel. Puisque j'applique un rouge à lèvres hyper mat et hyper asséchant, je suis allée avec une base de chez MAC qui est Prep and Prime. Et ça va vraiment venir comme atténuer les lignes, les craques dans les lèvres. Et ça, c'est le plus beau rouge à lèvres rouge qui peut exister. C'est Ruby Woo de chez MAC. Donc c'est un rouge assez vibrant. Mais celle qui aime pas les rouges à lèvres mat, vous allez pas aimer parce qu'il est vraiment asséchant. C'est un peu comme mettre du ciment sur ses lèvres. Mais moi, je l'adore. Il vaut tellement la peine, je trouve, parce que la couleur est magnifique. Ensuite, je vais venir tout placer mon maquillage avec un Fix Plus de chez MAC. Et voilà pour le maquillage, tout fini. Pour les cheveux, je suis vraiment allée avec un fer à friser, que moi j'ai vraiment un fer pas très bon, donc je vous conseille pas le Conair, parce qu'il est pas assez chaud, fait que ça fait vraiment pas des belles boucles. Mais allez-y avec un gros fer à friser. Et on frise toujours vers le visage, parce que les courbes, parce que les frisettes dans le fond, là, ils sont toujours vers le visage quand on regarde les photos du vieux Hollywood. Donc là ici, je l'ai vraiment mis en accéléré parce que c'est toujours la même chose sur tous les étages. Pour celles qui ont les cheveux plus courts, vous pourriez y aller avec des rallonges ou sinon vous pourriez juste les faire un peu... comment je peux décrire ça sans que vous me voyez? Hein? Wavy un peu, comme des vagues. Vraiment années 20, années 50 là. Et le truc avec ce look-là, on met du fixatif et du fixatif. Surtout si vous voulez que ça dure toute la soirée. Ici, je viens vraiment crêper un peu comme mon toupette pour que ça a l'air un peu plus plus bouffant.
Donc j'adore ces peignes-là, sont vraiment super pratiques. Donc et voilà pour les cheveux, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine!